Edna plante des arbres dans notre beau parc. Beau travail, Edna. Bravo. Ben veut montrer aux enfants comment on fait pousser des plantes. Malheureusement, les enfants sont plus intéressés par leurs jouets que par la leçon de Ben. Quelqu'un doit ramener de l'ordre dans cette classe. C'est le chaos. Super Truck, fais quelque chose, s'il te plaît. Maintenant qu'on a votre attention, les enfants, Ben va vous montrer quelque chose de très intéressant. Ben veut vous montrer comment poussent les fleurs. Il a une graine et il va la planter dans ce pot pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Regardez! Oh non, rien ne pousse. J'encore. Ben dit que c'est parce que les plantes n'ont pas seulement besoin d'eau, elles ont aussi besoin de soleil. Mais il n'y a pas de soleil dans cette classe. Juste la lumière des ampoules. Oh, tu as une idée? Tu peux générer de la chaleur et de la lumière semblable au soleil avec ton super réacteur? Est-ce que... Ça pousse! Oui! Bravo, Super Truck! Cette belle fleur a bien poussé! Je vois, tu as creusé un trou plus tôt dans la journée. Et nous pouvons l'utiliser pour planter cette fleur. Génial! Bravo! C'était une super leçon! Bonjour les amis, vous vous entraînez au tir au but? Waouh! Quel beau but! Oh, on dirait qu'il y a un souci à Car City. Tu devrais aller voir. Les pneus de Massimo ont été volés.
Ah bah là, hein. Et Mathilda l'aide à les rechercher. Je ne pense pas qu'ils vont les trouver. Nana Maya. Bien sûr, je suis certain que tu peux les aider à trouver les pneus disparus. Ça va aller, Massimo. Super Truck va trouver les pneus disparus. Super Truck, peux-tu te transformer? Bien sûr, un engin volant serait parfait. D'accord, un hélicoptère. Tu peux voir toute la ville d'en haut, Carl. Est-ce que tu peux voir les pneus disparus? Tu vois quelque chose? Je me demande d'où il arrive. C'est vrai? On dirait qu'il vient du chantier de construction. Allons voir ça. Jerry, c'est toi qui as volé les pneus pour jouer au golf? Et tu as demandé à Walter de les transporter pour toi? Super Truck, il s'échappe! Tu dois aller à sa poursuite! Oh non! Jerry se cache dans le tunnel! Comment vas-tu le faire sortir? Avec le ST-3000? Le rayon télékinésique. Waouh, tu arrives à faire sortir Jerry avec le pouvoir du rayon télékinésique. On te tient. Beau tir, Massimo. Hé, hey, regarde, tu as retrouvé tes pneus. Jerry, tu as volé les pneus et ta punition est de les porter. Mathilda a raison, le crime ne paye jamais. Amusez-vous bien, les amis. Bonjour, Carl. Bonjour, Carrie. Carrie, tu fais tester un nouveau cocktail de fruits à Carl. Waouh, tu as l'air de vraiment aimer ça. Quelqu'un a besoin de ton aide, Carl. Tu devrais rentrer tout de suite. Janice a l'air terrifiée. Que regarde-t-elle comme ça? Il y a un problème avec la grande roue. Elle bouge et Janice est juste en dessous.
y a des voitures dans la grande roue. Si elle tombe, Janice pourrait être blessée. Ils ont besoin de ton aide, Carl. Dépêche-toi. C'est difficile de voir quoi que ce soit avec toutes ces voitures. Voilà Janice! Tu dois aller la rejoindre, Super Truck. Utilise ton klaxon. Que tout le monde s'écarte! C'est une urgence! Elle est pétrifiée par la peur. Si tu nous entends, Janice, Super Truck est là pour résoudre le problème! Oh non! La base bouge! Il faut faire quelque chose, Super Truck! Un super marteau-piqueur? Incroyable! Vite! La grande roue bouge de nouveau! Pousse, super marteau-piqueur! Tu peux y arriver! Ouf! Tu as réussi! Janice, je suis content que tu n'aies rien. Qu'est-ce qui ne va pas, Super Truck? Oh non, Foul est en panique. Il faut qu'il se calme ou la grande roue va se détacher de sa base. Janice, il faut que tu nous aides à calmer tout le monde. Tu as attiré leur attention. Beau travail. Arrêtez tous! Il faut fixer la base tout de suite. Utilise le ST-3000! Vite! La plateforme bouge! C'est réparé! Tout le monde est content, Super Truck. Beau travail aujourd'hui, Super Truck. Maintenant, tu peux fêter ça avec un bon jus de fruits. Tu aimes vraiment ce jus de fruits, hein? À votre santé, les amis. Bonjour, Lily. Bonjour, les enfants. Vous dansez? Oh! Vous préparez une comédie musicale? C'est super! Merde! Ne vous en faites pas, c'est juste une expression au théâtre. Ça veut dire bonne chance. Bonjour, Massimo! Tu as amené les costumes? Super! Pourquoi c'est vide? Oh non! Lily a raison! Les costumes sont tombés par ce trou! Ne vous en faites pas, Super Truck saura quoi faire! Désolé d'interrompre ton inspection de l'électricité de la ville, Carl, mais les enfants doivent retrouver leurs costumes pour le spectacle. Tu peux nous aider? Excellent! Allons-y! Le spectacle doit commencer bientôt.
Que devrions-nous faire, Super Truck? Bien vu! Massimo, tu peux montrer à Super Truck la route que tu as prise pour venir du magasin de pneus jusqu'au parc? Super! Maintenant, il nous faut un véhicule qui puisse ramasser rapidement tous les costumes avant le début du spectacle! Un super aspirateur! C'est parfait! Ok, les amis, il faut se dépêcher! Allons-y! Eh, il y a un costume! Utilise ton tuyau! Ça ne marche pas! Oh! Tu as inversé l'aspiration par accident! Oups! On ferait mieux de réessayer! Et voilà! Super! Il y en a un autre! Et encore un! Bon travail! Wow! Qu'est-ce que c'est? Tu peux l'atteindre, Super Truck. Tu y es presque. Tu l'as eu. Et voilà, le dernier. Eh bien, nous avons le dernier costume qui manquait. Mais il faut vraiment se dépêcher pour retourner au parc. Allez. Ne vous en faites pas. Super Truck et Massimo ont retrouvé tous les costumes. Allez vite, les enfants. Habillez-vous pour le spectacle. Vous êtes superbes. Vous êtes prêts pour le spectacle? Oh non, les enceintes sont cassées et on ne peut pas mettre la musique. Et toute la ville est déjà là pour le spectacle. Super Truck, essaye d'utiliser le ST-3000. Excellent! Tu peux maintenant utiliser ces haut-parleurs pour mettre la musique, Super Truck. Ce n'est pas très fort. Pas de problème, monte le volume. Parfait! Que le spectacle commence! Waouh! Regardez les enfants! Ils ont beaucoup de talent! Massimo, tu devrais être sur scène toi aussi. Bravo, Super Truck! Tu as vraiment sauvé la situation. Amusez-vous bien, les amis. Waouh! Impressionnant, bébé Rocky! Tu aides bébé Rocky à apprendre à voler? Il y a une urgence. Tu devrais aller voir ça. Bobby et Tom étaient en train de pêcher. Oh non, on dirait des requins. Carl, tu dois aller sauver Bobby.
Pas là-bas, pas là-bas. Les requins chassent Bobby dans cette direction. Je ne crois pas que ça va marcher. Tu dois aller dans l'eau. Oui, montre-leur, Super Truck. Je ne crois pas que les requins vont t'écouter. Un ballon? Je ne comprends pas. Super! Tu l'as eu! Whizboo! Ça va leur apprendre! Bobby, tu peux t'arrêter maintenant! Oh non, le pont est en train de se fermer. Bobby va se blesser. Tom, tu peux aller jusqu'au pont pour prévenir Bobby? Attention, Super Truck, tu n'as qu'un essai. Tu dois vraiment regarder où tu vas, Bobby. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'un jouet. Bonjour, les amis, qu'est-ce que vous faites? Tu vas sauter par-dessus Carl. Avec les yeux bandés. Wow, ça c'est époustouflant. Marley, tu as réussi. Carl, tu devrais rentrer à la base. On dirait que c'est la fête. Oh non! Elle bloque le tunnel! Carl, il faut que tu fasses quelque chose. Pas là-bas, pas là-bas. You
un gars. Ne t'inquiète pas, Walter. On a vu que c'était un accident. Pas de panique, les enfants. Ce n'est qu'une piñata. Super Truck va la détruire. N'est-ce pas? Wow! Bien joué, Super Truck! Oh non! Super Truck, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois qu'il te faut un outil plus précis qu'une boule de démolition. À quoi est-ce que tu penses? Mais bien sûr, le laser du ST-3000. Wow, c'était facile. appétissant. Ce n'est pas passé loin, Super Truck. Profite bien de la fête, Walter.